Bonjour tout le monde, assez parlé. On va faire l'enchaînement d'exercices le pire possible, le plus fatigant possible. Enfin non, il en existe d'autres. Et si je suis encore vivant à la fin, je vous expliquerai pourquoi.
Alors, pourquoi? La première raison est l'anaérobie, c'est-à-dire c'est la cardio, mais en apnée, sur une très courte période, très intense. Par exemple, le sprint qui peut se faire quasiment en apnée, c'est de l'anaérobie. Et en freestyle, j'en ai pas fait, mais une version très brouillonne et basique. Mais en freestyle, on a très très peu de temps pour reprendre son souffle. Donc c'est bien d'avoir un bon niveau d'anaérobie. Et ce genre d'enchaînement permet de bosser ça. Ça peut vous faire penser au crossfit, au Tabata, pour lesquels c'est un peu le but en soi. Mais ça existait déjà auparavant. Bruce Lee, par exemple, dans les années 70, déjà faisait beaucoup d'enchaînements de ce genre. Et quand on remonte encore, on voit que depuis la nuit des temps, voilà, enchaîner des choses très dures, très vite, faisait partie de l'entraînement des soldats de l'Antiquité, etc. Donc c'est pas nouveau. Mais c'est très utile. Deuxième raison, c'est pour... j'aime bien faire ça quand la chaleur monte, quand ça atteint et dépasse les 30 degrés. Ça me permet de m'accoutumer très vite à la chaleur, sinon mes entraînements en pâtissent, je fatigue vite. Et faire une ou deux séances très intenses comme ça, par forte chaleur, permet après, pendant tout l'été, de très bien supporter la chaleur, que ce soit à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours. Évidemment, si jamais vous faites ça pour ces raisons, faites-le en ayant déjà un bon niveau en sport et l'habitude de lire et d'écouter votre corps. Et avec beaucoup d'eau, voilà, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Et une troisième raison, régulièrement ça me permet aussi de bosser et beaucoup de mouvements dans un temps très court. Donc voilà, si je suis en déplacement, si j'ai des obligations, si j'ai pas le temps de m'entraîner, ce genre d'enchaînement permet de faire vraiment des séances très très productives dans un très court laps de temps. Et c'est une raison supplémentaire pour développer son anaérobie. Ça progresse assez vite l'anaérobie, comparé à vitesse ou à la force, à ce genre de choses. Et une dernière raison, peut-être tout simplement le mental. Mentalement, c'est pas un travail aussi intéressant, par exemple, que de faire des tractions pendant 4 heures ou un ultramarathon ou des choses très longues et qui vous ont à l'usure. Mais ça permet quand même de s'habituer à cette sensation d'étouffement et d'aller chercher à chaque seconde le meilleur de soi-même dans l'inconfort. Si vous avez des idées de vidéos ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée.